secours. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? C'est un bug, je pense. Ok. Point que tu as au ceinture, vous votre différents bonus de courte durée lorsque vous interagissez avec eux. Tous vos coups sont des coups de pique. Ok. C'est sympa. Et pour ce durée, vous êtes sûr? Je réveille tout le monde. Oups, ok. Merde, pour les ramasser, j'utilise une potion. On est là. Ok. Je dois attendre un moment. Oui, bah. Faudrait bien dash plus souvent. Tac. L'animation de mort est ratée. J'ai tué trop vite. Hein. Traverser, appuyer sur B. Là, j'arrive à 9 de différence, mais si j'arrive à 9 de différence, c'est qu'en portant ça plus ça, là ça de... si plus 49. Ah non, c'est 9 de différence, c'est un truc à deux mains. ok, je sais pas pourquoi visuellement j'ai pensé que c'était à une main. Et 32 dégâts, donc je veux dire que l'autre il doit être mieux. Maintenant faut que je regarde à 30 de différence. Bâton magique. Vraiment adapté à... Oh, bon, je me transforme, ça ne change rien.
récolte des herbes et des minerais peuvent être trouvés un peu partout dans le monde. Les artisans s'en servent à de nombreuses fins. Oui. Bah voilà. Il y a quelqu'un ? Ceux qui mijotent là sont extrêmement mauvais. Ok. Des instruments de soins, ils ont servi il n'y a pas longtemps. Des herbes, des champignons, des organes. Et ce n'est pas destiné à la cuisine. Qu'est-ce que vous cachez ? Ces crocs sont courts. L'individu est jeune. Transformation récente. Une proie facile. Plus au sud que les autres. Ils se répandent. Ok. Le piège est couvert de sang séché. A-t-il été posé dans le but d'attraper un animal ou un être humain ? Si vous comptez vous introduire chez moi et fouiller dans mes affaires, ayez au moins la politesse de rester pour le repas. J'ai une faim de loup. C'est une sacrée histoire. J'aurais préféré qu'elle soit fausse, croyez-moi. Pourquoi ai-je eu cette vision ? Remerciez ces gentils villageois. Ce sont eux qui vous ont donné le sang de Lilith. Le sang d'une démone ? Pas n'importe quelle démone. La fille de la haine. La mère de Sanctuaire. Elle a été bannie il y a longtemps. Mais c'est elle qui a créé ce monde. Il était écrit qu'elle reviendrait. Et quel est son but ? Très bonne question. Sanctuaire a toujours été coincé au milieu de l'éternel conflit. Une guerre entre les anges et les démons. Mais Lilith n'appartient à aucun camp. Elle a d'autres projets pour nous. Et moi ? Suis-je corrompu ? Je n'en suis pas encore sûr, mais vous êtes clairement lié à elle. Que comptez-vous faire ? M'en servir, découvrir ce qu'elle cherche. Bien. Dans ce cas, nous ferons équipe. Allez, reposez-vous. Ensuite, nous irons à Kyovashan. Si nous n'arrêtons pas Lilith, tout sera perdu. Ok. Accompagner leur attaque, le Vachat. Déchu, si près de la ville.
Le mal de Lilith se répand. Oui, non, mais je suis con. Tiens, mais il revient encore. Ok. Je suis monté directement. C'est-à-dire que cette zone-là, je l'ai pas faite. Si, je l'ai. Ah, si, je l'ai faite. Le petit truc qui remonte derrière. À gauche là. C'est une zone d'événement là. Mais je suis pas encore en mode multi, y'a pas moyen. Y'a personne du tout. Événement, caravane, c'est juste. À tenir. C'est à deux, c'est trop, je sais pas combien il arrive. Plus 14 secondes, ok. Qu'est-ce qu'il y a, j'ai rien essayé. Voilà. Oh non, ah, mais là, beaucoup là quand même. Bon, après un truc qui est bien tout seul. Ouais, c'est un peu tout seul. Où c'est la fin? C'est un peu de la triche là quand même. Faut faire un zone. Ok. Et du coup j'ai looté ma salle de main, ok. Salle de main. Là c'est une hache rare à une main. Donc du coup si je fais ça plus ça, c'est pas mal. Et donc ça donne quoi? 9% de dégâts contre les cibles en bonne santé, plus 8 avec toutes les caractéristiques. Et 5% de dégâts contre les cibles sous effet étourdi. Là ça ne pas encore. En tout cas j'ai pas pris la bonne compétence pour ça. Ok.
Vas-y, pas besoin. Déchu, réfléchissant. Je n'aurais jamais cru voir une chose pareille. Bah, écoute. Ah oui. Débloqué pour éviter qu'on aille trop loin. Ah, merde, fallait lui parler. Que pouvez-vous me dire sur cette statue ? L'ange Inarius. Vous avez sûrement entendu la cathédrale de la lumière vous rebattre les oreilles au sujet de leur père sacré. Eh bien, il est réel. Un véritable ange est parmi nous. Et quand il apprendra que Lilith est ici, le sang coulera. Ce sont de vieux ennemis. Et ils vont entraîner le monde entier dans leur querelle, à moins que nous y mettions un terme. Okay. Ne nous attardons pas. Kyovashad se trouve droit devant. Les traces de griffes ont entamé l'inscription. Que lumière du père Inarius. Hein, tous les pèlerins. Hein. Ok, bonjour. Halte là. Pour entrer dans la ville, vous devez d'abord... Nous n'avons pas le temps. Hostile. Pour entrer dans Kyovashad, vous devez réaliser un rituel purificateur. Un geste futile s'il en est, mais il en rassure certains. Comment osez-vous ? Laissez-le passer, mon garçon. Il est impossible de convaincre Lorat d'accomplir le rituel. Bien. Mais lui, là, il reste ici. On se retrouve à l'intérieur. Prenez un morceau de Saint-Cèdre du Sanctuaire et inscrivez dessus le péché qui vous trouble. Ensuite, gravez peur, lancez-le dans le bras. Colère, orgueil, avarice. Comme le feu qui consume le bois, la lumière consumera votre péché. Ouais. La colère. Je sais pas si ça a un impact, surtout ça sert à rien. Très bien. Je suis sûr que vous devez vous sentir soulagé d'un énorme poids. Bienvenue à Kyovashad. Ok. Quête prioritaire. Les quêtes prioritaires présentent... Dévrier là. Ok. Oui, bah il y aura des quêtes secondes. Dernier niveau de quête, j'imagine. J'ai vu que le menu était là. Ah, non, c'est pas ça, c'est ça. Et ça. Ok. Campagne, quête prioritaire. Quête prioritaire, ce qui ressemble plutôt à des quêtes secondaires. Et après les quêtes tierces. Alors, qu'avez-vous écrit sur ce bout de bois ? Quelque chose parlant de haine ou de colère, peut-être ? Eh bien, cela importe peu, j'imagine. Un cheval ? Vous allez quelque part ? Je pars dans les steppes arides. Cherchez l'homme au teint pâle de votre vision. Je dois savoir quel est son rôle dans tout ça. Mais d'abord, allez récupérer un objet qui m'appartient pendant que je termine de négocier. C'est un marchand du centre-ville qui l'a. Dites-lui que je vous envoie. Que faites-vous des villageois dans ces ruines ? Ils faisaient des sacrifices. Ils invoquaient des démons. Ils perfectionnaient tous les merveilleux cadeaux que Lilith leur a donnés. Que faisaient les villageois ? Je me disais que... J'ai mal lu comme d'habitude. Parlez-moi d'Icarus, d'Inarius. La cathédrale adore parler de lui. Son emprisonnement dans les enfers. Son évasion pleine de bravoure. Son retour glorieux ici, dans le monde qu'il a créé. Mais ils oublient de mentionner que des millénaires de torture en enfer vous changent en insupportable crétin.
Le retour de Lilith était écrit ? Il y avait une prophétie, effectivement. Elle annonçait la venue des démons primordiaux, le retour de Lilith et d'Inarius, la fin de notre monde. Inarius a adopté la prophétie à des fins égoïstes, la plaçant au cœur de l'évangile de la cathédrale de la Lumière et faisant croire qu'il serait le héros qui nous sauverait. Et salut Yagosh, comment vas-tu ? Keto sur Diablo 4, bah oui. c'est cool, je devrais recevoir mon exemplaire aujourd'hui. Ah bah. Parce qu'il est. Non, il est sorti hier. Non. Un peu tard du coup. Sinon, tu vas bien ? Moi, ça va. Je suis en vacances donc c'est pour ça que. Je commence tôt. Parce que ce soir, on fait la partie multi. Donc normalement, la partie multi qui devrait se débloquer dans pas longtemps. Les yeux embrumés. Normalement, faut. Cette pauvre bête. D'après ce qu'ils ont écrit, c'est que je dois terminer quand Laura va partir. Une multi se débloque et je m'arrêterai là de toute façon. Oh, continuer. En haut, pas près. Alors, c'est Laura qui m'envoie. Ah, alors le vieux a finalement décidé de la racheter. Le connaissant, il ne vous a pas parlé du prix, j'imagine. S'il veut son arme, va falloir mettre la main à la poche. Ok. Ouais, bah ça va. 20, j'ai ce qu'il faut. Attendez. Le vieux m'a vendu ça aussi. Il disait ne plus en avoir besoin, mais... je pense qu'il sera content de la récupérer. Au frais de la maison. Ok, voilà... peut-être faire toutes les ventes tout de suite. Ça, je regarde pour le recyclage aussi. Vous avez autre chose ? Des trucs qui ont des signes de recyclage, donc. Est-ce que je peux ramasser amulette étrange ? Objet reçu, amulette étrange. Voir pour la mise à jour. Ok. Voilà. Recycler. Débloquer toutes les transformations aussi tant qu'on y est. Hop, on retourne voir l'Orat. Ça va bien, oui il est bien sorti hier, mais je l'ai préco sur Amazon, donc c'est des fois un peu la roulette russe pour les dates de sortie. D'accord. Date de réception surtout là. Alors, j'ai dû payer pour votre arme. Ah, toutes mes excuses. Il m'a aussi donné cette amulette. Qu'est-ce que c'est ? La marque des Horadrim. Un ordre ancien d'érudits et de mages qui avait juré de protéger Sanctuaire des démons. Il ne reste que peu d'entre nous désormais. Il y a un autre Horadrim, Donan. L'étendue de ses connaissances sur les démons n'a d'égal que son orgueil. On dirait qu'il pourrait nous être utile. Vous devriez le trouver à Skullsglen. Mais n'oubliez pas la cathédrale. On vous y attend, et les alliés que vous y trouverez pourraient s'avérer utiles eux aussi. Vous ne venez pas avec moi. Je m'en vais dans les steppes arides pour découvrir qui est cet homme au teint pâle. Rejoignez-moi quand vous le pourrez. Mais prudence. Vos liens avec Lilith, les visions que vous avez, vous êtes la clé pour la trouver. Et mettre un terme à ses projets. Dans la vie, nos chemins sont parfois destinés à en croiser d'autres, même si on l'ignore. Que ce soit le fruit du destin ou celui du hasard, nous n'y pouvons rien. L'aventurier perdu dans la tempête, nourri du sang de Lilith. Sauvé par un moine solitaire. Des vies et des événements distincts s'unissaient. Par quels moyens ? Le destin. Ou une puissance supérieure tirant les ficelles. Je l'ignorais alors. Mais à l'époque... je pensais avoir une chance de protéger l'humanité de la fille de la haine. Le lien qu'elle partageait avec l'aventurier me donnait de l'espoir. Ah !
Quel idiot j'étais. Ok. Et à toutes les caisses se déclenchent. Quand... C'est terminé, pièce manquante. Trouvez vos achats sur, sur la carte, les endroits marqués par des cartes contient des objets récemment achetés. Ok. L'armure, les armes et autres ornements de personnages achetés se trouvent dans le vestiaire. Les montures et ornements de montures achetés se trouvent à l'écurie. Les émotes achetées sont accessibles en modifiant la roue des actions. Ouais, là c'est le parti dépense tes vrais sous, je pense. Prologue terminé, voilà, vagabondage. Tant que le prologue est terminé, la partie multi devient possible. Tu fais un build druide. Alors je pars sur un druide, oui. Et est-ce que je vais partir sur un truc préfet, trouver aux quatre coins d'internet. Nos ou, écuries sont toujours prêtes. Faire une invention ratée de ma part, je ne sais point. Et je vais juste débloquer du coup le TP central. Voilà. Et normalement, il y a le même dans la première ville, voilà. Il faut revenir dans la première ville pour faire ça. Ok. Et voilà, tout le monde est apparu, le multi est déclenché. Explorer sanctuaire. Alors le tuto arrive bien après le prologue, c'est étonnant. Les relais vous permettent de voyager rapidement et librement dans sanctuaire. Activez des relais pendant votre périple pour étendre vos options de voyage. Vous pouvez gagner de la renommée en accomplissant diverses activités sur tout le continent. Et les sanctuaires, des quêtes secondaires, des ruines et autres boss compagnie. Gagner de la renommée vous octroie des récompenses à certains paliers. Consultez le tableau de votre renommée pour chaque région depuis la carte. Ah, voilà, côté compassionniste s'active. Ouvrez le journal gauche pour voir les quêtes actives. Des quêtes principales, hein, campagne. Ok, mais c'est surtout ça, c'est que là, alors, pic brisé, c'est tout ça? Ok. J'ai 7 TP. Un pic brisé, ok, il est beaucoup plus grand que ça. Je peux pas voir précisément cette zone. Ok, non. Pour voir si j'ai bien fini, après si tout apparaît, ça va, mais... tout apparaît, donc il y a juste besoin d'aller chercher. Des TP, nanana, voir les récompenses. Les bastions. Les relais, les bastions, quêtes secondaires, zones découvertes, donc pour tout visiter. Donjons secondaires et hôtel de l'élite. Et chaque augmentation de renommée donne un point compétence. Ah oui, alors ça, ok. C'est indispensable. Petit moment que ça donne des points de compétence. Tout visiter devient indispensable, surtout que ça donne aussi des compétences spécifiques. Voilà, après avoir tué cible avec déchiquetage. Donc lycanthrope, donc ça c'est prévu pour le druide. Ça précise pas c'est pour qui les pires... C'est écrit druide quelque part. Druide uniquement, ça à la fin. Barbare uniquement, et... Et tout le monde. Oui, les trucs qui sont en rapport avec l'armure, je pense que c'est avec tout le monde. Ok, bah j'en profitais pour faire quand même le tour de tous les vendeurs pour voir comment ça fonctionne. Donc, on avait l'écurie. Où je peux rien acheter. Parce que voilà. Allez vous réchauffer autre part. J'étais là en premier. Ah, ok. Alors, je voulais parler plutôt de la personne qui était à l'intérieur. La bouilloire est chaude. Qu'est-ce la qu'il chimiste. Vous faut ok, je peux passer à des potions niveau 2. Coup en matériaux. Ah, ok. Ok, ça me revient. Selon mon niveau de personnage, je peux augmenter le niveau des potions. Mais en plus, il me faut des matériaux spécifiques. Fabriquer les élixirs. Ok. Et tous les matériaux. Ok. Ok,
Hop, là, je peux faire ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les soins classiques. Du coup, tout à l'heure, j'avais le vendeur d'armes. Bon, vu ce que j'ai looté, il n'y a rien d'intéressant. Le vendeur d'armure. 2000. Là, ah oui, j'ai 7000. Ok. On attendra de looter petit à petit. Hein. La forge, donc, pour recycler en matériaux et en skin. Et réparer. Ah, une durabilité, j'ai pas vu. Durabilité 100 sur 100, ok. Ah, ça c'est chiant. Ça, ça coûte de la thune. Revenez si vous faut quelque chose. Ouais. Je sais pas encore si je partirai au corps à corps ou à distance, ça serait soit voleur, soit sorcier. Je crois qu'il y avait des... Il y en a déjà qui sont arrivés à la fin du jeu qui donnent leur premier retour. Ça dépend si tu comptes jouer tout seul ou à plusieurs. Et plusieurs avec des connaissances ou avec des inconnus. Ça peut changer tout de suite le gameplay et peut-être imposer la classe. Je sais pas si elles sont toutes faisables en solo. Tac. Ouais, apparemment c'est le nécro qui a l'air d'être pas top en fin de en endgame. Toi tu disais voleur et sorcier. Okay. Bon après je pense que ce sera des avis, mais j'ai vu que le nécro était mal noté, façon de parler. Je peux lui donner vraiment une note. Non je ne touche au multi. Non je ne touche au multi depuis longtemps. Ne touche pas au multi ou le nœud est de trop. Il manque un mot, il y en a un de trop là. C'est... Déjà que j'ai du mal à lire, alors si tu me perturbes. Et ensuite on a un vendeur ici. Cabine de curiosité, ce marchand louche vous offre une petite chance d'acquérir un objet de valeur en échange d'oboles chuchotantes. Les oboles s'obtiennent en terminant des événements un peu partout dans le sanctuaire. Tac. Et merde. Plus au multi. Je ne touche plus au multi. Depuis longtemps. Ah ok ok, donc en solo. Tac. Et d'ailleurs j'imagine que c'est sur console si t'attends un CD. Même si sur PC je joue à la manette. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais pas aller au sanctuaire parce que je crois que ça déclenche une cinématique. On a du coup... des blocs au niveau 25. On a anneau et amulette et mon stuff. D'accord. Je peux dash quand même ici. Je ne suis pas encore prêt. Ouais. J'aimerais bien courir plus vite. Ouais, c'est pas les 5, ouais. Ok, classique. Niveau 10 requis, bon, je peux rien acheter pour l'instant. Revenez nous voir. De toute façon, ça serait un petit peu abusé. Et ici qu'on retrouve des vêtements, j'imagine. Tenue changée, vestiaire, changer tenue. Vous pouvez modifier les apparences et teintures de chaque objet. Remarque, certaines apparences ne peuvent pas utiliser de teinture. Ok, donc c'est ce que j'ai débloqué tout à l'heure en recyclant les objets. Ok, ok. L'apparence. Ok, on peut rechanger l'apparence qu'on a vu, que j'ai vu de base. Et Estelle, c'est quand tu meurs ? Je sais pas. Et le coffre, il y a combien d'emplacements dedans? Ok. Pas mal, mais ça va assez vite. Je sais pas ce qu'il faut stocker. Je
Je vais regarder si on avait des maximums. Acheter un onglet. Nanana, 100 000 de thunes, ok. Est-ce qu'on arrive facilement à la. À la fin, équipement. Et le sac. On a un poids quelque part. J'imagine qu'il y a un poids. Ok. Carte 6 et matériaux. Ah oui, c'est un bouton qui n'apparaissait pas. Je vais utiliser la souris. Ok, attaque, défense, il n'y a pas autre. Des stats, des stats, des stats, en veux-tu, en voilà. C'est ce que je voulais faire. Je voulais savoir mon poids. J'imagine que t'es limité, de toute façon. Tu peux porter sur toi, surpris. Consommable, quête. Et SP, bon, j'ai rien pour l'instant, mais... Regarde s'il y a un truc qui bouge. Ouais, par l'attaque, évidemment. Ok. Je sais pas où c'est. Et je pense pas qu'on a poids illimité sur soi. Ça me paraît improbable. À moins que le nombre de cases ici est le maximum. Déjà de base. Ouais, peut-être, du coup. C'est pas un poids, c'est un nombre d'emplacements. Hmm. Il serait pas déconnant aussi. Ok. Et ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Non, pas pour aujourd'hui. Pour midi, pour ce midi. Et on reprend ce soir en multijoueur du coup. C'est pour ça que je ne parle à personne, pour qu'on soit tous au même niveau. Je vais pas regarder les autres collections, donc ça c'est collectionner aigu. Les compétences à avoir. Léophée, alors là. En veux-tu, en voilà. Social, ah bah les amis, ok. Clan. Créer un clan. Les élus de Lilith. Non. Allez. On va dans le thème. Et jusqu'à combien de... Ouais. Pas de description. On est français. Mots-clés informels. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 mots-clés. Progression, social, JCE. Hop. Félicitations, votre clan a été créé. Par défaut, la visibilité de votre clan est réglée sur public, ce qui signifie qu'il apparaîtra dans les recherches. La visibilité du clan peut être modifiée dans les paramètres. Ok, ouais, ça c'est classique. Ah oui, s'il y a un vocal automatique, on faudra que je fasse gaffe. On sera sur Discord et en même temps, on évite d'avoir, le double son, ce sera un peu con. On peut pas changer ça? Logique qu'à un moment je pourrais changer ça. Ok, bon app, bon après-midi. Ok, bah bon app à toi aussi si t'as pas encore mangé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh! Salutations, aventurier. C'est le moment où il faut sortir sa carte bleue, c'est ça? Et venez marquer l'histoire de votre empreinte. Des pièces spécifiques, hein. Ah là! On les aime! Ou pas. Là, c'est le moment où il faut sortir la musique Achète ma merde. De JDG. Tac. Tac. Du coup, vous n'êtes pas dit qu'entre vous, vous ne preniez pas... Non, ce que vous preniez comme perso, en totale découverte, quoi. On s'est déjà dit... Alors, on a profité de la bêta. Vous savez qu'on allait le faire à 3 le jeu. On a profité de la bêta pour tester une ou deux classes. Alors moi j'ai pris le druide et j'ai vu qu'il se transformait en loup et j'ai fait c'est celui-là que je prends. J'ai pas cherché loin. Il y a eu 2-3 essais et on s'est mis d'accord avant, évidemment, pour éviter d'avoir la même perso, enfin la même classe. Et je sais plus. Il y a un druide, un barbare et je sais plus c'est quoi le troisième.
J'avais noté ça. Et un voleur. Le troisième, ce sera un voleur. Voleur, barbare et druide. Ils seront nos classes. Tac, ok. Choix du druide en toute objectivité. Tout... Ah oui. Évidemment. Ah. Et ça c'est la partie, ok. J'ai vu tous les menus. Ok.